Hey, salut les gens, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super gameplay parce que oui, on a réussi à la sortir la nuque sur ce mythe. On vous l'avait dit, elle est là. Le gameplay est réalisé par Psychodélire. Et il est tellement balèze le type que quand il pète, il trouve son slip. Et 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 quand tu pètes, tu trouves son slip. Ah ouais, c'est génial, je me sens comme un cochon dans la merde. Non, je déconne. Mais c'est la fête, c'est la fête, c'est génial. On a réussi à sortir les 4 nucs en 2 jours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti les 3 premières le jour même, le mardi. Et la nuc sur ce mythe a été sortie mercredi soir. Elle a eu du mal, hein, franchement. Parce que, tout simplement parce que les mecs, ils jouent assez bizarre, les adversaires, je parle. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on tombe souvent sur des snipers qui restent vraiment au fond de map. Et si vous avez le malheur de les déloger, soit ils rush quit, soit ils campent encore plus à plusieurs, ou sinon, la moindre micro-station s'acquittait. Donc, c'était vraiment pas facile à sortir par rapport à ça. Les gars, ils ont quand même pas mal galéré. C'était vraiment le gros point noir. Allez. Et je dis les snipers, mais il n'y a pas forcément que ça. Hein. Même des mecs qui jouent à la R. Il y avait très très peu de rushers, honnêtement, sur cette map, quoi. C'est assez dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, à chaque nouveau map pack, vous avez qu'à remarquer, hein, il n'y a pas beaucoup de rushers. Plutôt que de découvrir la map tranquillement, ils préfèrent camper. Donc, c'est pas... On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, les 4 nucs sont réussis. Donc, demain, je ferai un bilan du map pack, parce qu'on a sorti les vidéos d'une façon un peu irrégulière, genre j'ai mis les 3 nucs de mardi d'un coup et juste celle-là aujourd'hui, donc c'est un peu irrégulier. C'est pour ça que je vais faire un petit récapépète, comme ça tout le monde sera pas perdu, parce qu'hier j'ai mis en ligne, faut savoir, un mini stage de push, hein, où il a réussi à faire pas mal d'across de map déjà sur le map pack aussi. Donc il est sorti sur sa chaîne et il est sorti aussi sur la chaîne de Team hier. Donc voilà, vous allez le voir où vous voulez si vous l'avez pas vu, hein, sur la chaîne de Pouf ou dans les vidéos récentes chez nous. En tout cas voilà, hein, c'est... Vous savez que... On a sorti une vidéo hier, elle a pas été beaucoup vue, je sais pas s'il y a eu un bug de flux ou quoi, mais il y a pas eu beaucoup de commentaires et tout, donc si jamais vous l'avez loupé, bah vous savez qu'il y a eu une vidéo. Et voilà, en tout cas, vous avez été cool, hein, franchement, avec nous au niveau des commentaires et tout, je sais... Enfin, les 3/4 des commentaires, c'était des commentaires gentils, donc j'étais super content. C'est vrai que je commente bizarre, hein, mais bon, voilà, enfin, j'étais tout seul, j'étais livré à moi-même pour commenter 3 gameplay, donc chaud chaud de trouver un sujet quand même. Je suis pas un pro du commentary, moi, je suis juste, voilà, je fais ça pour m'amuser, je prépare rien à l'avance, quoi, je sais pas. Enfin, voilà, quoi, on n'est pas des... Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais bon, ça sert à rien de se prendre la tête au point de préparer, de faire des notes et tout, enfin, c'est... Pour des vidéos comme ça, c'est pas mon genre, hein, quand... Pour des gameplays comme ça, genre pour les vidéos sur Xbox, bien sûr, je préparais, je prenais des notes, c'est normal, pour pas dire de conneries, mais là, bon, c'est un gameplay, on peut dire ce qu'on veut, quoi, enfin, ce qu'on veut. Ça sert à rien de se prendre la tête, quoi, voilà. Donc là, vous voyez quand même que le gameplay, il est pas, comment dire, il est pas statique, quoi. Psycho, il bouge quand même sur toute la map. Alors bien sûr, les micro-stations, ça l'aide beaucoup, hein, parce qu'on savait pas où il respawnait, vu qu'il y avait les 3 points. Vous voyez quand même que niveau domination, ça va, quoi. C'est... Ils prennent beaucoup. Enfin, comment dire. Les mecs, ils ont pris les points, ils ont pas fait du spawn kill pur et dur. Ils ont joué le jeu, donc voilà. C'est une belle luck, hein, honnêtement. Il n'y a pas à dire. Hein. Il a sorti en drone brouillard et micro-station. Il avait déjà sorti la nuque sur Kov comme ça. Sauf qu'au lieu du drone de brouillage, il a mis la bombe IEM. C'est vraiment super efficace, donc voilà, vous savez tout. Le map pack, il a quand même eu une mauvaise note sur les sites spécialisés. Moi, je l'ai trouvé injuste parce qu'honnêtement, même si c'est clair que c'est un peu cher, hein, pour ceux qui ont pas le season pass, je trouve que les maps sont belles, hein, ce mythe quand même. Bah voilà, ça fait plaisir de rejouer dessus sur BO2, alors même si c'est pas très recherché d'en mettre une ancienne, ça fait plaisir, quoi. Après, Cobb, je la trouve super belle, la plage et tout, on n'en voit pas souvent sur les Call of. Après, Détour, c'est clair, c'est une map assez classique. Mais bon, elle reste quand même plaisante à jouer. Le souci, franchement, pour moi, c'est pas les maps, hein, c'est la façon dont les joueurs y jouent dessus. C'est toujours pareil, hein, franchement, on peut pas toujours en vouloir aux développeurs parce que c'est pas toujours leur faute. Hein.
Des fois, c'est la communauté qui pourrit le jeu en jouant n'importe comment, hein, donc voilà, faut savoir mettre les choses à leur place aussi, hein. On sait que c'est, comment dire, c'est des machines Afrique, quoi, mais bon, après, faut pas non plus sortir ça à toutes les sauces, quoi, franchement, là, ils ont sorti un impact de qualité, je trouve, ils travaillaient beaucoup le zombie et tout, ça, c'est des choses qu'on peut pas nier. Donc là, il a une série de plus de 25, hein, Psycho, la nuque va pas tarder à sortir. J'ai juste mis toute la nuque, hein, je précise, enfin, seulement la série de la nuque, parce que là, ce mythe, vous la connaissez, la map, donc ça sert à rien de mettre toute la vidéo pour vous faire découvrir la map, quoi. En plus, au moins, ceux qui disent que je dis de la merde, eh ben, ils seront contents, ils mourront pas pendant 10 minutes, donc là, la nuque, elle est débloquée. Voilà, les 4 nouvelles maps égale 4 nuques, donc ça fait plaisir. Donc ces vidéos je les dédie à ceux qui disaient que la team Xbox elle était morte. On est toujours là, hein, c'est juste que les mecs sur PS3 ils sortent des plus beaux gameplays, donc c'est normal que ce soit eux qui passent souvent sur la chaîne de team, mais c'est pas pour autant qu'on est complètement nullos, hein. Voilà, il y a des très bons joueurs côté Xbox aussi, donc voilà, moi ça remet les choses à leur place et voilà, la partie elle est finie. Alors je crois que j'ai oublié d'enregistrer le score ou on va le voir très brièvement, je sais pas. On va voir, écoutez, en tout cas c'est un score raisonnable, hein. De toute manière c'est pas grave, c'est juste la nucléaire qui importe. Donc, vous voyez qu'au niveau du score c'est pas mal, hein, 200 à 126. Voilà, dites ce que vous voulez dans les commentaires, hein. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi voilà, ça m'a fait super plaisir et moi je vous dis demain pour la vidéo récap. Donc c'est apparu brièvement le score, hein, il a fait du 39-6. Donc voilà, allez les gens, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao.